janvier, décembre 55. Comme Eric chauffé à blanc. Si les jours sont tous pareils, faut chasser les idées noires. Selon Nietzsche, le monde est une œuvre d'art qui donne naissance à lui-même. L'art, en effet, par sa forme suggestive, agit comme un révélateur de la réalité qui nous entoure. Il peut nous révéler la beauté ou la laideur, le bonheur ou le malheur. Keep the Flag of Life Flying s'attache à la beauté, apanage féminin, en se référant à la Vierge à l'enfant. Il est un hymne à la vie qui nous rappelle à quel point nous sommes chanceux, et à quel point la 9e symphonie de Beethoven est belle car nous avons le pouvoir de l'entendre. Mais cette toile est aussi un hymne à la paix. Ce bien précieux, acquis avec difficulté, sans cesse soumis à des défis susceptibles de le remettre en question, qui ne peut exister que par l'effort de tous. Car comme le disait si bien Martin Luther King, il faut apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons périr comme des imbéciles. Keep the Flag of Life Flying, réalisé avec de la peinture acrylique, de l'huile et du crayon gras, fait partie de l'exposition Art is Life, organisée par Articlip Live Art, dont les bénéfices de la vente iront à une organisation mondiale qui œuvre pour la paix dans le monde. Merci.